Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo Best of Forge Magie. Bon visionnage! Alors, pour ceux qui ont suivi mes aventures récentes, on a fait des tentations Over Vita qui étaient destinées à être sur mon Sacrieur RPVP et il m'en faut d'autres en dommage sort pour mon Nuginak RPVP. Jusque-là, j'avais ça, que c'était un petit jet que j'avais fait comme ça à la va-vite pour tester le mode et bon, bah, c'est un jet qui n'a pas vraiment d'intérêt. C'est du perf sur les lignes dont j'ai besoin. J'ai toujours les lignes en bas qui sont négligées car elles ne me servent pas du tout sur un mode agi. Donc là, j'ai un jet qui est perf sur toutes les lignes qui m'intéressent avec un exo 2% res haut. J'en ai pas spécialement besoin dans l'état. En revanche, j'aimerais bien mettre une transe dommage sort là-dessus. Ça me plairait bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tenter un renvoi de dommage. Voilà, juste parce que la rune pèse 10. En fait, j'aurais bien aimé tenter un crit dommage sort là-dessus, mais. La rune dommage sort pèse 15 et j'ai 12 d'exo, donc ça pourrait casser mon jet si ça ne passait pas. Alors que là, normalement, bon bah soit j'ai un crit et ça fait un item un peu original, la rune là on la voit jamais, ça pèse 10. Et normalement, ce qui devrait se passer, c'est que ça devrait casser mon exo res haut et me permettre tout simplement de mettre ma rune trans sur un jet qui est du coup full perf en considérant uniquement les lignes dont j'ai besoin. Donc c'est parti, la petite rune renvoi de dommage, les amis. Qui ne passe pas, évidemment. Donc c'est parfait, hein, c'est ce que je cherchais. Et donc là, on va mettre la petite Tadosso. Parfait. Qui ira donc sur mon Nuginak RPVP avec des belles lignes. Hop. Et voilà. C'est pas mal du tout. Là, la plus grosse que j'ai à passer, ce serait une passa plutôt. Ok, c'est vraiment pas dégueu. C'est plutôt un bon début. On va pouvoir compter le puits depuis le tout début. On est à 4. Plus 8,2. Plus 3. Moins 15. Plus 91. On a 91,2 de puits. Bon, ça commence très très bien. On va commencer par la ravie. Et ensuite, on mettra la raage. Il faut vraiment que ça se passe bien là-dessus. On a les 30 écrits, on a les 12 fuites. Franchement, il y a du potentiel sur ce brisage, sur cette première mantache. Allez, la ravie. Allez, moins 20, c'est correct. Bon, là, je vais mettre une rune pod, très clairement. Quand je suis sur des items appui PA, PM, etc., des fois, j'essaie d'avoir du double moins 6 à la rune initiative. Mais là, on est de toute façon sur du near perf avec du 39 sagesse au mieux. On va jouer la sécurité et aller chercher le moins 13 à la rune pod et on récupère. Donc ça nous fait plus 0,1. Et là, on va directement mettre la raage. Là, c'est le deuxième passage un peu technique. Ok, on a moins 7,5. Ok, le crit. Oh, c'est génial. C'est super. Super crit. Oh, ça se présente très bien. Je suis très content. Petite rune chat pour enlever l'over. Là, on va mettre passa. Qui crit, évidemment. Do R qui passe, moins 4. On va mettre double res qui crit. Allez, la passa. Ah, ça fait mal là. On a moins 18. Il faut que je la force. Hein. Voilà, moins 9. Il reste encore du puits, tout va bien. J'ai moins 7 là. On va quand même commencer par dommage. Et res. Moins 12. Il me reste 7. Je peux soit mettre esquive PA, soit faire une tenta chasse. Là, j'aurais tendance à dire esquive PA quand même. Je vais demander au propriétaire de l'item ce qu'il préfère. Ah, c'est dommage que la passa ait tapé beaucoup. Ça se passait vraiment très très bien sur le début. J'attends qu'il me réponde, hein. Je lui ai demandé dans le chat du jeu. Moi, je serai pour l'esquive PA. Quel dommage pour les... Quel dommage pour les passas. Il me dit rune chasse plus de valeur selon lui. Je lui demande s'il est sûr. C'est un peu dommage parce qu'on a 7 de puits, la rune esquive PA pèse 7. Mais bon, c'est son item, on respecte. Je lui demande confirmation pour la rune chasse. Et on va donc go rune chasse.
On attend la confirmation du boss et il me dit esquive. Eh oui! Oh, elle est magnifique. C'est déjà du très 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 gros jet pour une mantache. C'est un item qui est dur à faire en brisage, qui ne peut être fait qu'en brisage PA. Là, on a un moins un vita, moins un sagesse. C'est-à-dire, il nous manque juste des stats qui peuvent être capricieux sur des congruences, mais ça reste très très bon. On n'est pas non plus en 396-38. C'est un excellent jet sur une mantache. C'est à ce jour le plus beau brisage PA que j'ai fait sur une mantache. Et bah écoutez, c'est franchement super. C'est magnifique. Tenta à 88 depuis. Congruence pas ouf, mais ça peut donner beaucoup de tentarez. On va commencer ravi, ça passe super, moins 10. La petite païnée, moins 3. Bah c'est bon, en fait, GG à tous. 75 depuis. Je peux même tenter une pas faux qui ne passe pas. On a 12 tentas, c'est pas mal du tout. Hein. C'est très beau. Allez. Allez, ça commence. Oui. Alors j'aurais bien le troisième qui va sortir. Oui. Oh, je veux voir un 4%. Oh oui. Et tous les experts du oui, le 4e%, il passe tout le temps en succès crit. Il faut remettre la grosse rune avant parce que ça peut pas passer en succès neutre. Bon. J'aimerais beaucoup que ça repasse là-dessus. 4%, c'est joli quand même. Est-ce qu'on a le PM, les amis? Ah bah super. Ah bah non. C'est pas ça qu'on voulait. Allez, next. 83 depuis. On va ravi. Bon, j'ai rarement... Oh non, c'est terrible. J'ai pas de papode. J'ai pas de papote sur moi, les amis. C'est un peu sad. Bon, bah. Je vais chercher une papote et je reviens. Oui, me revoilà avec ma papode. Voilà. Bon, j'aurais bien aimé qu'on récup. Ça pèse lourd quand même. On va crier. Païné. Trente-huit depuis, j'ai deux en rab. Et si tantarèse. Deux pour cent. PM. Pas de PO, mais on casse le PM, alors ça c'est intéressant. On a 12 plus 90 moins 51, 51 depuis. C'est tout à fait quelque chose que je recherche hein, sur ma façon d'FM. Du coup, on a une pas faux qui passe, magnifique. 48, bah, du coup, ça fait 50 depuis. Je vais rien pouvoir faire de ce que j'ai en rab. On va go 8 en tas. 1, 2, 2%. Est-ce qu'on a le PM? Bon, c'est relou du coup, j'ai. Comme je suis allé chercher des runes, ça m'a remis les lignes que j'avais masquées. Le PM. On a le PM. Donc j'avais dit invoque. Hein. Si j'ai pas 3%, je mets une invo. Est-ce qu'on a l'invoque, les amis? Pas d'invoque. 89 depuis, on peut aller chercher le full perf. On va ra. On va réter. On a 36 à virer. Je peux soit réter et double pod. Non, je vais plutôt double pas faux en vrai. Il me faut voilà, le moins 16, parfait. Alors, c'était pas trop le but. Je pourrais pas iner, mais je préférerais y aller à la ra en fait là-dessus. Ah, ça m'arrange presque pas. En vrai, on va mettre une rune tacle. J'espère récupérer le puits, ce serait cool.
Nice. Oh, le moins 20. Parfait. On a le père Vita. Vas-y, la petite rafo. Ok. Ça se passe très très bien pour l'instant. Je vais rainer quand même. Ça pique un peu, mais c'est ok. Mettre une pacha. Et on récupère à nouveau. Bon, on recycle bien le puits, c'est plutôt cool. 46, alors il me manque 2. C'est dommage, là on a quelque chose de très stylé. On va tenter le crit réfixe. Dommage, bon j'ai 42. On pourrait tenter le double crit réfixe, mais bon. On va y aller, 7 tenta. C'est très beau là, hein. Oui. Oui, allez le 3% please. Il n'y a que le PMR passé en plus, hein. Allez, le troisième, le troisième, le troisième. Merci au sub qui me donne de la force. Mais ça ne suffit pas. Malgré tous nos efforts conjoints, c'est absolument terrible. Bah, c'est dommage parce que là, c'était très beau. Évidemment, le PM qui repasse, mais qu'est-ce qu'on fait de ça en fait? Oh non, c'est triste. Pourquoi j'ai pas eu le troisième pourcent? Les pourcents qui sont jamais là où on les veut. Après, là vous m'avez donné de la force, normalement l'invoque passe, non? Allez, l'invoque. Pas d'invoque, dommage. On continue. 85 de puits. Dommage qu'on perde comme ça, alors qu'il y avait pour une fois qu'il n'y a pas besoin de retoucher la Vita. Rafo, ok, moins 10. On peut être joueur et dire qu'on avait un de rab, c'est pas impossible, mais j'y crois très moyennement. Ouais, non, c'est impossible. Ouais. Allez, crit chat, on gagne une tenta. Non, allez, crit réter, on gagne une tenta. Voilà, et oui, mais bien sûr, les amis, bien sûr, on a 5. Tout le temps, ça me met 2 comme ça, c'est terrible. On a le PM, on a le PO. Est-ce qu'on a l'invoque là-dessus, les amis? C'est maintenant qu'on clique. On n'a pas l'invoque. 83 depuis. Ok. Comment on récup ça? En vrai, je pourrais. Je peux tenter la réfixe double pod. Ça peut se faire. Ou alors, je pourrais tenter deux feux. On va go do feu. Voilà, le moins 26 me met trop bien. C'est exactement ce qu'il me fallait. Et là, il me faut le moins 10. Nice! C'est pas mal ça. Du coup, j'ai moins 10. Bon, j'ai plus une décimale depuis, mais ça, on s'en fout un peu. Je vais forcer à la painer. Ça peut me défoncer beaucoup de puits, on verra. 15, 18, 21. 24. Le truc c'est que j'avais pas vraiment d'outils pour récupérer l'over là, donc ça m'arrangeait pas de fou. On récupère, on est à 49, 50 de puits. Bon, on va go 8 en tas. Dommage, 2%. On a le PM évidemment. Bon, c'est quand même du perf sur le line qui m'intéresse, 2%. Une invoque là-dessus, ça me mettrait très bien. Les amis, est-ce qu'on a l'invoque? On n'a pas l'invoque. 80 de puits. Bah, c'est pas mal comme tenta ça. Hein. Hop. Moins 10. J'ai vraiment tryhard pour calibrer l'attentat parfaitement. J'essaye vraiment en fait à chaque fois d'ajuster mon item pour pouvoir go directement avec très très peu de choses à retoucher. 10 tentats repair, c'est parti. %. Sur un moins 1 vita, moins 2 sagesse. Est-ce qu'on a le PM? On a le PM. Est-ce qu'on a le PO? On a le PO. Et voilà! 27 depuis là-dessus.
Allez, faut passer la vita, moins 6. Je vais go pas âge. Moins 3. Do. Moins 5. Ré. Moins 2. Ok. J'aurais pu tenter le crit passo. En vrai, oui, je vais faire ça. Je vais tenter crit passo into so. Ah. Bon, moi, j'avais bien compté le puits. Si j'avais crit passo into. Il fallait juste que je crit passo et que je succès neutre le saut. Et j'étais insane là. Hein. C'est vraiment, vraiment dommage. Ah, j'ai le seum. C'était. À un crit passo, j'avais un succès neutre à passer et un repassage invoque et j'avais ce que je veux. C'était un jeu magnifique là. Oh. En vrai, voilà, évidemment, c'est là que je l'ai. En vrai, là, si je crit un soin. Oh! Ok, donc là on a une vraie dinguerie. Incroyable. Je peux avoir un full perf. J'ai 22 vita. J'ai 22 puits, pardon. On va pas âge. Alors c'est pas comme ça que je le voyais dans ma tête. Du coup, j'aurais dû commencer par la Vita en ce sens. Dans ma tête, j'allais faire pas âge, enlever le pas âge et après pavipod, et on avait le full perf. Malheureusement, on n'aura pas cette chance. On a deux tentavis. J'aurais dû commencer par la Vita, je suis trop con. Bon, il faut repasser l'invoque. Est-ce qu'on a l'invoque, les amis? Bah oui, en fait. Pourquoi j'ai pas commencé par la Vita? Je suis débile, je suis crevé là, ça fait 4 heures qu'on est en train de faire de la FM, j'étais sur le point d'aller dormir. Oh, la Vita casse tout, j'aurais dû pavipod. C'est très très triste ça. Évidemment qu'il fallait commencer par la pavie, en plus c'est pour un mode full intel. Je suis complètement con. Bon, on va quand même mettre une petite transe d'audi là-dessus, hein, c'est quand même pas trop mal. Du coup, j'ai cette sensation un petit peu mitigée qu'ont beaucoup de forges mages où tu passes une dinguerie mais t'as fait un choix sous-optimal donc t'es content mais t'as un peu le seum quand même. Bon, ça reste un jet monstrueux. J'aurais bien aimé au moins pouvoir passer une pavie, mettre une pavie pod et au moins avoir le 296 vita. Mais écoutez, c'est déjà ça. On a quand même eu. Voilà, là c'est. J'étais vraiment sur le point de cut le stream et je me suis dit, vas-y, je fais encore un puits invo. Franchement, je m'en sors pas trop mal. Allez, tac. Dommage distance là-dessus. C'est quand même solide, on va pouvoir jouer avec ça tranquillement.
passage d'une rune de transcendance dommage mêlée sur des bottes du cœur saignant G parfait que je viens d'acheter à 17 millions HDV. Voilà, ça va aller sur un Yopter PVP. C'est parti avec la petite rune de signature évidemment pour que les gens mettent des commentaires là-dessus pour rager, ce qui fait du référencement, c'est parfait. Voilà, bon c'est clean, ça servira aussi pour d'autres modes éventuellement, ça fait toujours plaisir de choper ça. Petite tentapéo sur l'amulette séculaire de mon Eka Flip Feu. Alors pour l'anecdote, j'ai un abonné qui vient de me l'échanger contre une meilleure G, et donc ça c'est mon ancienne sur laquelle on tente le PO du coup. Bon, petit G moins 4 vita moins 1 sagesse, j'en ai besoin pour mon Eka Flip Feu PVP, si ça pouvait passer ça me mettrait très 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 bien. Allez, on clique, c'est maintenant. Pas de PO. Les amis, c'est un des clics les plus ambitieux que j'ai fait depuis bien longtemps. Là, on est vraiment sur de la dinguerie. Bon, si ça passe, on a un item unique. Allez. Faut être courageux. Il faut crit. Ça crit bien, les Rasa. Ça peut, hein, bon. Pas de crit. Pas de crit. Dommage, mais énorme respect à l'ambition pour avoir osé cliquer dessus, parce que bon, c'était déjà un énorme G avant de la tenter. Oh, oh oui, là. Je spamme la passa là, on est d'accord. Un peu pas ça là, hein. Ouais. Oh oui. Oh, là là. Ça se passe bien là, nickel. Oh là là, il est trop bien. Vita, on est d'accord? Ouais, Vita. Vais-je enfin l'avoir en full perf? Bah, sachant que j'ai fait un brisage juste avant, le PA il a trollé, il a mis 30 rune à tomber. Là, ça tombe pile quand il faut. Ah, il faut pas que ça troll, ok. Non, non, c'est bien. Il faut juste qu'on ait le moins. J'ai pas mis de fuite ou tac, mais bon. J'en ai, t'inquiète. Alors attends, on va juste recompter le puits. Donc tu m'as dit qu'on était à 5, donc on était à 0, donc on a 1 sur la chute de l'esquive PA. Moins 1, on retombe à 0 ensuite. Donc on a 91, moins 20. Là, on a 71. 71. Ouais. Petite rune fuite, tu valides le call? Ouais, ouais. Oh nice, oui. nice. C'est bon, pas bah, le moins 20, hein. Ça va faire du perf, ça. Hein. À la rare, on est d'accord? Ouais, rain, bien sûr. Et let's go! Bon. Bah, normalement, c'est good. Hein. C'est pas mal, ça. Oh, les congruences, elles sont tellement parfaites. Il reste 61, là. Pas ça? Pas ça, je pense. Hein. Ouais, nickel. Esquive PA. Ouais, esquive PA ou de feu, de toute façon, avec trop plus qui reste. Moi, dans les cas-là, j'y vais plutôt par ordre décroissant. Mm-hmm. Et bah voilà. Attends, il reste 16. Il est parfait, cette fois-ci. Alors, on va compter le puits restant, mais je sais pas si. Bah, il me reste 16, mais attends, tu penses pas que c'est stylé de mettre un dommage distance là-dessus? Ouais, ça peut être si. Attends, je vais recompter, mais je crois que c'est ça. Hein. Après, ça change rien à la trans, mais ça fait que. Bah, c'est plus stylé quand même. Ça fait que quand je voudrais tenter le plus au-dessus, tu vois, j'aurai la classe. Vas-y, si tu veux. Le chat me spam prospection, mais bon. Prospection, on s'en fout un peu. Hein, ouais, c'est pas bah, c'est ton thème. Après, si tu veux mettre de la PV, vas-y. Hein. Ah, mais attends, ça veut dire que je dois perdre des K1 pour te le racheter là, c'est ça? Hein? Je dois perdre des Kama pour te le racheter, du coup, vu qu'il est passé. Exactement ça. C'est pas de chance, hein. J'aurais tellement pas dû te prendre le précédent. Bon. Après, ça peut. T'en auras peut-être besoin. Oui, on va dire ça. Tu sais, je passe ma vie à acheter des items la peau des fesses pour me dire un jour ça me servira. Bon. Après, c'est ça. C'est 20. Et au pire, ça se revend en plus à peu près, ça. Oui, ça devrait aller, je pense. Ou alors on tentera un PA sur. Aussi, ouais. Mais ça serait sympa un PA. Je l'attends, la dommage distance, t'es chaud ou pas? Ouais, attends, juste moins 15, je recompte vite fait. 45, 55, 65. Ouais, vas-y, tu peux. Ok. Bon. On va tenter un crit ravi sur cette magnifique canne art réalisée en brisage PA. C'est déjà un G qui est magnifique et très très dur à choper sur un item comme ça avec un puits invoque, mais monsieur et joueur, est-ce qu'on a le crit ravi les amis? Pas de crit ravi. Dommage.
Bon, je vous laisse admirer le magnifique invoque, invoque, PO, invoque, PO dans l'historique, hein. Évidemment, ça régale. Bon. Je sais pas du tout si on aura assez de pluie pour avoir quelque chose. Ok, on crit. Ça part pas trop mal. Je pourrais presque tenter de la pado, mais non. Ah, j'ai encore toutes les raies à gérer là. Je suis pas sûr que j'aurai assez de pluie. Allez, le dernier! Oui! Les amis, est-ce qu'on a le PA? Ben voilà! C'était pas. Est-ce que j'ai ragé? Pas du tout, je suis zen. Bon, je pensais quand même que ça allait être plié en 10 minutes. Je suis un peu abasourdi. On doit être à presque une dizaine de tentatives passage PA sur full perf. Donc voilà, il y en avait HDV à 11 millions, mais je l'ai acheté à 1 million 8 la MUF en G random. Mais vu le temps que ça m'a pris, j'aurais dû prendre celle à 11 millions déjà faite. Hein, vraiment, je pensais vraiment que ce serait très simple, mais je sais pas. Bon, voilà, écoutez, c'est comme ça. Après du repassage PA, ça veut pas dire que c'était compliqué comme item, c'est juste que bah, les PA sont pas repassés, sont pas repassés, quoi, c'est comme ça. Bon, donc on va go. Ratavi. Sans Vita, donc évidemment sur Puy PA c'est un item sur lequel on pourrait aller chercher un over plus que sans Vita. Il y en a quelques-unes hein, qui existent déjà en 120, 130 peut-être. Pour l'instant je sais pas trop si je vais m'en servir, donc pour l'instant je fais juste un G propre avec Trans. Sans Vita c'est déjà costaud quand même, hein, comme exo Vita, on fait rarement plus que ça quand même. Hop! Et si je confirme ma volonté de le jouer, parce que pour l'instant c'est vraiment expérimental, c'est pas du tout sûr que je me servirai de l'amulette. Si ça rentre dans mes stuff PVP et que c'est confirmé, peut-être que j'en chercherai une. Alors je pense pas que je tryharderai pour la faire, mais peut-être que j'en chercherai une déjà réalisée avec plus que 100 de vitalité dessus. Voilà. Et allez, on va pouvoir jouer un peu. Je vais remettre fuite. Ok, en vrai, je m'en sors vraiment pas mal du tout. J'ai 96 déjà sur les deux dernières lignes, et celle d'avant j'étais retombé à 0. Ok, bon franchement ça se présente très très bien là pour le début. On va directement venir chercher les Rainées, je pense. Bah, c'est un bon début ça les amis, je reconnais. On vient enlever l'over Odokrit. Alors la Vita. J'ai 28 à enlever. Ok, je sais ce que je vais faire. Je vais sécuriser. On va faire ravi. Ça passe. Je peux faire 13-15. J'ai presque envie de mettre une sagesse parce que si je mets une pote, ça peut faire nimp. Je vais mettre une sagesse. Ça a très très peu de chances de passer. Donc normalement, je perds juste une point en moins 15 là. Ah, oh, le moins 16 qui me troll. C'est vraiment dommage. Bon, la pote qui récup. On a plus 0-1. Vraiment dommage que j'ai eu moins 16 et pas moins 15. Là, c'est un peu unlucky. Bon, c'est comme ça. Je pense que je vais mettre la Rasa maintenant. Il me reste encore pas mal de puits. Il faut oser cliquer dessus là. Est-ce que j'enlèverai pas les pods avant? Allez, non, faut être courageux. Oui, c'est ça qu'on veut. Bon, les crits Rasa, j'en ai souvent des beaux qui pop. C'est pas là où j'en avais le plus besoin. En vrai, un succès neutre, ça aurait été ok. Mais là, ça me met très très bien. Du coup, la suite du brisage se présente hyper bien. Bah là, on est parti pour les grosses maintenant. Allez, le crit. Bon, maintenant qu'on est parti sur du crit, si vous voulez, c'est juste parti. On a moins 7-5. Oh là là, ça me régale quand même. Sachant qu'en plus, je voulais crit une Rasa depuis tout à l'heure là-dessus. Enfin, sur l'item, pas du coup dans ce cas de figure, mais ça me va aussi. Hein, je prends, hein, il n'y a pas de problème. Allez, il faut passer le soin. Moins 10, bon bah là on a un truc monstrueux. Alors ce que j'ai pas précisé en plus, c'est que bon cet item je le fais pour PVP, mais il m'en faut aussi un pour PVM également en dommage distance. Donc si je peux avoir arme de chasse en plus, ça me régale. Donc on va essayer de viser ça. Allez, on va juste finir proprement de remonter tout ce qu'il faut. Moins 20. En vrai, on n'est pas hyper large, hein. Il reste 14,6. Allez, on a deux tentes à chasse, peut-être une troisième, on verra. Oh, elle est tellement belle! Oui, c'est exactement ce qu'il me fallait, mais oh là là! Bon, la Vita qui a troll en vrai,
C'est un peu sad, mais sinon c'est vraiment magnifique. Hein. Ça s'est extrêmement bien passé. Je sentais que ça allait être sympa à faire, je sentais que ça allait être un plaisir. Vraiment dommage que j'ai pas le 300 Vita, ça aurait été vraiment beau. Hein. J'aurais juste eu un moins 1 sagesse par rapport au jet idéal que je cherche. Mais écoutez, je peux vraiment pas me plaindre parce que ça s'est extrêmement bien passé. En vrai, heureusement que la race a crit, hein, parce qu'on n'était pas si large que ça en puits. Hein. C'est assez inespéré. On va mettre là-dessus directement, sans tergiverser, la petite rune trans, dommage distance. Je vérifie que c'est bien la bonne rune, c'est bien la bonne. L'arme de chasse est mise, les runes dont j'ai besoin sont bel et bien montées, les deux poux sont bien à zéro, cachés en bas. Et la signature est déjà là. Oh là 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 là, c'est si beau! C'est si beau! Oh, ça me régale parce que il me manque plus que quelques items pour pouvoir PVP, pour pouvoir reprendre le Coliseum. Magnifique Tanta sur la cape Talkasha d'un abonné. Il a 16 de puits encore sur l'item selon lui. Il m'a proposé de terminer l'attentat. Comment c'est pas ça qui ne passe pas malheureusement. Donc il reste 7. Et avec 7, le mieux à faire c'est tenter double pavis. Voilà, ça passe pas, tant pis. Hein, la passa aurait pu passer relativement facilement, on aurait pu monter à 30 sagesse, ça aurait été stylé. Est-ce qu'on a le PO, les amis, sur cette magnifique cape Talkasha, moins 3 vita, moins 1 sagesse? Est-ce qu'on a le PO? On a le PO. Voilà, bon, bah c'est chouette. Vraiment dommage pour la passa, franchement, ça aurait changé pas mal de choses. Surtout que c'est pour jouer sur un mode où il y aura du retrait, donc la sagesse est toujours très intéressante. Et l'avantage d'avoir 30, c'est qu'on peut faire de l'over pour aller chercher le jet parfait. Malheureusement, c'est pas passé, puis il n'y avait rien à faire avec le reste. Bon, elle est quand même très très soignée. Hop, vous voyez là, encore une fois. Non, en vrai, les tentats vont s'enchaîner. C'est juste que ça coûte cher. 3 tentats depuis le début du stream, hein. Bon. Hop. Allez. Le jet se stabilise un peu. Je vais rafaux. Pas de R. Bon. En termes de congruence, on n'est pas trop mal en vrai. Je perds déjà par contre là le. Là ce. Ouais. Le PA qui tombe sur un échec critique, c'est déjà un peu terrible en vrai. Je vais go pas de R. Ok, le crit. Là, l'avantage, c'est qu'on peut essayer de choper du crit. Hein. Je vais ravi. Moins 10. Je vais devoir me contenter de cette vita là. Elle correspond pas à ce que je veux, mais j'ai pas le choix que de faire des concessions là. Il faut que j'aille chercher les 20 d'eau maintenant. J'ai pas regardé d'ailleurs si j'avais un peu plus en rab. J'ai regardé la ligne d'au-dessus, le moins 5 force là. Me laisse pas penser que j'ai du puits. Moins... Ah, attendez. Oui, non, si j'ai moins 2. Non, non, j'ai pas de puits. On va monter les dommages maintenant. C'est maintenant qu'on a les grosses padeaux qui sont un peu techniques à mettre. Le premier crit qui régale. Et le succès neutre. Ok, c'est pas mal. On récupère un peu d'espoir là-dessus. Je vais mettre une page. Il reste 52. Je pense que je vais mettre rachat raage et je vais accepter un moins un stat. Pour espérer avoir une chance qu'il se passe un truc sympa. Moins 20, il reste 32. Trente-deux. Je me précipite pas. Hein, Je pourrais me dire que je mets le tacle en priorité. Ou je tente un crit de pas de feu. En vrai, je vais mettre le tacle, je pense. Si je mets un tacle,
Je peux tenter deux patacles. Vingt-huit, allez, la patac. Il me reste 16. En soi, je peux rafaud au feu. Peut-être un monde où il se passe un truc cool. Ça, c'est un truc cool, par exemple. Dans le meilleur scénario, je crit pas d'au feu et je passe un ou deux d'auteur. Ça, ce serait le meilleur scénario. Ou alors, j'ai pas d'auteur. Puisqu'il est vrai que... Enfin, après, si je crit pas d'au feu, je peux tenter une pas d'auteur. Je réfléchis un petit peu aux modes dans lesquels je vais le jouer. Le chat qui me met la pression. Là, la pas d'au feu, elle crie très très bien en fait. Ah, oh, pourquoi j'ai pas 32 puits, les amis? C'est triste. Allez, je vais pas d'auteur quand même. En fait, là, l'utilisation première et principale que j'aurai de cet item, ça va être un mode agilité. Et dans mon mode agilité, j'ai une poulpe complète. La poulpe complète, elle me fait des stats air et des stats terre. Et je vais probablement mettre souvent des supplices. Supplice, c'est le sort du sacrieur qui fait que toutes les personnes qui tapent la cible se soignent d'un pourcentage des dégâts infligés. Donc en colis 3v3, c'est très intéressant. Et le supplice, c'est un sort qui tape terre. Donc même si ce sera sur un sacri air, je vais beaucoup taper terre. Et la voie feu, elle sera utilisée juste pour des flammiches ou des petits sorts utilitaires par-ci par-là. Donc je vais pas d'auteur plutôt. J'ai envie de tenter pas d'eau feu crit into pas d'eau terre, mais autant tenter pas d'eau terre crit into pas d'eau feu, même si évidemment la pas d'eau terre a moins de chances de crit que la pas d'eau feu. Allez, je veux voir du vert s'il vous plaît. Oh oui. Attendez, mais vous savez qu'il y a un monde là où je crit une pas d'eau feu et j'ai 3 tentats de feu. Bon, on n'est quand même pas sur le jet que je voulais de base, mais on est sur quelque chose d'excellent. Les 20 d'auteur sont assez incroyables quand même, là. Merci au chat pour le coup de pression pas d'auteur, vraiment. Bon, je pense que je l'aurais fait quand même, mais vous m'avez précipité vers le bon choix. La question, c'est est-ce que j'essaie de tenter le... Est-ce que je grille le crit d'eau feu pour avoir une tenta pas d'eau feu? Ou est-ce que je tente le crit pas d'eau feu pour avoir 3 tentats d'eau feu? Je vais tenter le pas d'eau feu quand même. Ça me paraît mieux. Allez, je veux du vert. Il reste une rune vie. Qui passe pas. Bon. Franchement, c'est excellent. Franchement, c'est excellent. Je suis un tout petit peu déçu pour la Vita. Bon, la force de 92, c'était le pire jet possible. Mais encore une fois, on n'est pas là pour ça. Et je referai un brisage pour une crocobure qui ira sur des modes terre. Franchement, là, je pouvais pas tellement espérer mieux sur le brisage. Regardez l'historique, j'ai que du vert. J'ai 2 crits de pas d'eau. J'ai eu un crit pas d'eau ici, j'en ai eu un ici. J'ai crit la rafo là qui était assez miraculeuse. Franchement, le premier brisage a été catastrophique, le deuxième aurait pu donner un truc mieux si le PA était tombé un peu plus tôt, mais là, au vu du jet sur lequel c'est tombé, on a quelque chose d'excellent quand même. Pendant la session, pendant le stream, beaucoup de personnes m'ont dit que j'étais débile de faire du brisage PA et que c'était très facile d'avoir ça sans briser de PA. Bah, je vous invite à essayer parce que je peux vous dire que FM du Crocobur, c'est quand même... c'est pas le même jeu qu'FM un autre item sur Dofus, hein, c'est vraiment autre chose. Là, j'ai quand même quelque chose qui correspond presque à mes attentes. Il me manque 2 de Vita, 1 de stats, et voilà en fait. Mais d'un autre côté, j'espérais pas le 20 d'auteur ni le 19 de feu, j'étais parti sur 18. Bon, je peux pas dire que ça compense, parce que c'est vraiment des stats annexes par rapport au mode sur lequel ça va être joué. Mais je suis quand même plutôt satisfait de tout ça.
L'intérêt aussi, bon, qui n'est moi jamais vraiment quelque chose que je prends en compte dans mes objectifs et dans mes façons de faire, mais c'est que là, dans une optique de revente, ça pourrait bien se revendre. Et bon, c'est toujours bien à prendre en compte, mais je compte pas spécialement la revendre, sauf si j'arrive à choper un meilleur objet dans le même style. Mais c'est vraiment pas d'actualité. Les amis, on va mettre la petite rune transcendance tout de suite. C'est une dommage sort qui vient là-dessus. Elle est déjà signée, hein, ne vous inquiétez pas. C'est une dommage sort qui part là-dessus. Puisqu'encore une fois, je ne vais jamais utiliser l'arme pour taper avec. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas pris la peine de mettre d'éléments de frappe O ou R. Et en fait, je suis en train même de me dire qu'elle pourra presque aller sur un mode terre temporairement, avant que j'en fasse une autre qui sera trans en dommage mêlé. Et donc dommage sort, puisque le passif de l'item est considéré comme un sort. Donc voilà, ça me servira sur les voies O et R. Et les amis, je suis très content quand même de pouvoir terminer ce truc, qui aura été au final pas si long que ça. Le remontage du jet se fait assez vite entre chaque tenta par rapport à ce que je visais, c'est juste que les runes coûtent très cher, mais franchement c'est pas mal. Allez, dommage sort, c'est bien la bonne. J'ai rien oublié, les dommages neutres sont bien à zéro. Le reste, hein, franchement, c'est quand même pas dégueu, quoi. Oh, ça me libère. Ça me libère. C'est assez chouette. Passage de runes de transcendance sur des items PVP en vue de la reprise imminente du Coliseum 3v3. On commence avec un masque de Funespadon, résistance distance, avec la petite signature évidemment. Donc on est sur un full perf de neutre Zef puisque c'est pour du Xelor. Reste distance, hein. Je vais pas me précipiter parce que j'en ai plusieurs, il faut surtout pas que je me trompe de rune, c'est bien la bonne. Hop, parfait. Ensuite, je vais enlever ça tout de suite d'ici. On fait Cap du Valet Vénard. Celle-ci en dommage sort. Ça, c'est pour un Sacrieur R et pour un Nouginak R. Joli jet en moins 2 sagesse ici, qui a été fait en brisage PA. C'est bien ça, un dommage sort, c'est bien la bonne. Parfait. Ensuite, on a Chevelure de Talkasha. Ça, c'est pour l'Oxelor. Ça prend résistance distance à nouveau. Les résistances distance, c'est parce que ça va être joué avec un 7 ans de malheur. Et le 7 ans de malheur fait des res mêlées, donc je mets des res distance sur le reste des items. Comme c'est le perso le plus fragile de la team. C'est bien la bonne, c'est bien la bonne cape. J'ai moins 3 vitalité, moins 1 sagesse. Hop, résistance, distance. Ensuite, on a corps de mage. On a une Saintouze, également faite en brisage PA. Dommage sort à nouveau. Pour aller sur un Sacrieur R et sur un Oginac R, avec la ligne de neutre négligée, mais full perf sur le reste. Pareil, retrait PA, ça ne sert à rien. C'est bien dommage sort, c'est bien la bonne rune. Ah, j'ai pas de pop-up de confirmation. D'accord, très bien. Heureusement que je prends le temps. Ensuite, ceinture séculaire, ça c'est pour l'Eka Flip. En dommage distance. C'est bien ça. Ah, ou alors, heureusement que j'y pense. Je vous avais montré pendant la vidéo d'achat d'items. En fait, c'est un abonné qui me l'a faite. Et quand on a fait la vente, il m'a demandé est-ce que je laisse sa rune de signature sur la forge magique de l'item. Donc je re-signe pas sur la rune de trans pour laisser sa signature puisque ça faisait partie du deal dans l'achat de l'item. Donc dommage distance sur cette belle séculaire, moins 3 initiatives, moins 1 sagesse, moins 2 agilité, qui ira sur les K-flips. Dommage distance, c'est bien ça. Et il nous reste une phonétique. En dommage sort pour le Sacrieur. Et cette phonétique étant, bon, moins 4 soins, on s'en fout, moins 1 vitalité, le reste perf, très très belle phonétique. Le dommage sort qui part. Magnifique, et il me restera une reste distance à mettre sur un sceptre du roi joueur pour le Xelor.
On termine avec la transe résistance-distance sur ce magnifique sceptre du roi joueur, moins un vitalité, moins un sagesse. Et on complète ainsi les modes PVP. Magnifique. C'est la fin de ce best-of Forge Magie, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez me suivre sur Twitch et sur Twitter, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.